liturgie, l'a commencé à premier dimanche de l'Avent et elle supposait finir dimanche du Christ soir. Donc semaine ça, ces dernières semaines-là, et parole de Dieu a parlé de pile de but et objectif présence l'Église dans le monde. Pour qu'il ça bon Dieu voulait dans le monde, l'Église l'y a présent. Tout texte n'a pas dit la dernière semaine ça, pour clôturer à l'éducation, c'est le seul à parler. Donc aujourd'hui, le texte-là a parlé expliquer nous une but, un objectif que mon Dieu voulait dans nous, c'est de devenir le temple du Saint-Esprit. D'abord, comme introduction, ça n'a pas dit, c'est que c'est avec le roi David, et notamment son fils, le roi Salomon, que Israël va entrer dans la logique du temple. David, qui était sous cœur, faut qu'il construise une maison pour l'Éternel. Le fin construit, le fin mourit, puisque Salomon veut construire le temple. Les prêtres descendants du grand prêtre Sadoc, que vous allez les Sadocite, va venir établir le principe que tout juif jusqu'à aujourd'hui voulait observer, c'est-à-dire tous les juifs doivent faire chaque année un pèlerinage à Jérusalem. C'est leur de Jérusalem, ils parlent qu'on est qui volonté pour Dieu et le salut, ils parlent bien chance pour faire une expérience avec la présence de Dieu. Donc le monde n'a pas longtemps à partir du prêtre descendant de Sadoc, que les Sadocites, les prêtres de Sadocites, l'autre maison pour les volontés de Dieu, c'est le seul côté pour te réaliser de la Jérusalem. L'autre maison pour expérience avec le divin, c'est dans le temple de Jérusalem pour te aller. Mais bien entendu, les prêtres Sadocites qui étaient abjouis du fait que le roi et Salomon par la sa communion édit royal, ils vont inscrire même dans le DNA du peuple d'Israël, dans la constitution de la République, que vous faites pèlerinage annuel, vous dites au moins une fois par an, il faut chaque monde chercher un jour pour descendre Jérusalem pour faire pèlerinage. Les prêtres avaient omis de dire, ils étaient oubliés de nos batailles fondamentales. Et c'est ça que nous voulons rappeler à soi. Le David dit qu'il voulait faire un temple pour Dieu, d'abord par la bouche du prophète Samuel, ensuite par la bouche du prophète Nathan. Le prophète et Nathan, bon Dieu dit comme ça, je suis un Dieu qui mange avec mon peuple, je ne veux point de temple. Bon Dieu t'a déclaré que ma besoin caille pour être, parce que nous sommes bon Dieu qui a marché avec mon peuple. Maintenant, en plus le monde qui vit Dieu, bon Dieu dans l'église, dans le temple, on ne peut pas parler de parole. Ça veut dire non, bon Dieu dit c'est temple là besoin. Les pas d'accord. Au contraire, c'est que tout le monde la prière chaque année dans le temple. Donc, avant le temple, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait donc le tabernacle. C'est-à-dire, il y a une boîte qu'on doit, que pour apporter quatre mondes. Quand je vais faire la procession avec Fatima, c'est quatre mondes qui apportent le tabernacle. Tout côté peuple allait, bon Dieu, allait avec eux. Nous voilà la guerre. Le tabernacle, il y a la guerre, et ça fait que nous voyons la victoire. Donc, Dieu marche avec son peuple. Mais maintenant, le tout bagage vient arriver. Le Israël pour aller gagner les Babyloniens qui viennent envahir avec à leur tête le grand roi qui était le Nabucodonosor. Nabucodonosor a détruit le temple de Jérusalem. Et puis pendant qu'Israël a pour aller maintenant en captivité, c'est-à-dire en esclavage à Babylone, c'est-à-dire imaginez où il y a tout ça en Israël. Et puis on parlait d'un pays qui est Bagdad, à Bagdad, c'est-à-dire en Irak, à pied. Et puis tout le monde a crié à ses amis, puisque le temple a détruit, religion a détruit, donc on n'a pas parlé de mon Dieu encore. Par la bouche du prophète Jérémie, mon Dieu m'a dit non, même si on a écrasé, m'a inscrit commandement dans le cœur chaque jour. Parce que nous sommes bon Dieu qui va habiter à l'intérieur de quatre murs. Je suis un Dieu qui mange avec le peuple. Quand on s'apprête à souffrir, là, quand on s'apprête à écouter quelqu'un, là, toute activité de la vie, là.
Et ça peut dire à soi à tout, en passant, bon Dieu a observé pour bon Dieu qui cache seulement Christ, tel que soit où tout fait, bon Dieu a marché ensemble à faire en tant. C'est pour bon Dieu qui était fixe en côté, c'est mon Dieu qui prend une décision, il dit moi, ma campa, pitié moi, quelle que soit la situation que tu veux. Voilà pourquoi donc, avec la construction du deuxième temple, avec le roi Héron qui était un roi très corrompu, mais il était connu que, comme David, comme Salomon, s'il construit un temple, tout le monde a vu une prière Jérusalem, la produit en unité, en cohésion au milieu du peuple. Donc, Héron va construire le temple comme un mouvement politique, une stratégie politique pour être capable de gagner unité dans le peuple d'Israël. Maintenant, voilà Jésus qui est en face du second temple, le temple qui a été construit par Héron, et puis Jésus-Christ qui dit temple ça, taille ça, que le temple est devenu là, pas mettre le problème parce qu'il va le raser, et qu'on le temple qui va le remplacer. Alors, à ce moment-là, je vais partager avec vous de qui temple Jésus-Christ a parlé, qui va le remplacer le second temple, qui va le remplacer les temples faits de murs, qui va couvrir, qui est à terre, qui est mort, et car, qui temple Jésus-Christ a parlé. Et bien, l'apôtre Saint Paul va faire le clair. Il dit n'oubliez pas, vous êtes le temple de cet esprit. Donc, mon Dieu dit au lieu que c'est dans l'église, mais caché, au lieu que c'est dans le tabernacle, dans le bois, comme une cérémonie, même si le qui est consécration qui est sur l'autel, Père Longemel, le pain va devenir le corps du Christ, le vin va devenir le sang du Christ pour nous consommer, qui vous mettre en communion de nous-mêmes, en proximité, en relation avec mon Dieu. Mais mon Dieu dit, nous ne pas cacher le Père seulement, nous ne pas cacher le divin seulement, nous sommes bon Dieu qui habite chaque monde qui nous ouvre quelque part la foi, qui dit bon Dieu me barre la vie, et même côté, bon Dieu prend place là, et bon Dieu habite en amour ça. Et ça fait chaque monde qui a adoré bon Dieu, vous êtes le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est nous-mêmes, notre corps, depuis notre trèche chevaux jusqu'au sort des pieds, bon Dieu prend autorité et l'établit quartier général. Il dit ma vie dans les terres, quelque chose qui a passé dans la vie éternellement blanc, l'un de la porte ma blague, l'un de la prière ma blague, l'un de la souffle ma blague, ma campée avec elle dans tout petit détail la vie. Et ça fait soi-là, d'aller vous comprendre, pour pas vous contrôler, parce que mon Dieu a marché dans sa affaire. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Mais la théologie catholique m'a dit le fait que nous sommes le temple de Dieu, du Saint-Esprit, il produit quatre effets dans nous-mêmes. Alors, c'est qui est fait, et madame les nouilles, oubliez et c'est ça la prêche la chita. Le premier effet, pas oublier, par la foi, nous devenons des temples du Saint-Esprit, pour Dieu habiter dans nous-mêmes. Et l'homme de nous-mêmes, il y a cinq bagages. Premier bagage, quand Dieu habite en nous, tenez bien tout le monde, Dieu nous donne une connaissance infuse de ses commandements. Je reprends. Depuis au monde, pour quitter le bon Dieu pour la vie, vous pouvez arriver, même si vous parlez en catéchisme, même si vous parlez la Bible, bon Dieu dépose au bagage dans le même fort qu'on est, qui ça dit bon, qui ça dit bon. Vraiment, tu as servi mon Dieu, depuis que ce bagage n'est pas bon, il vous bagage dans le même, il dit ça, pas bon, pas fait. C'est une connaissance. Et fils de les commandements divins. Et ça fait mon temps que je ça, on ne pas connaître, et parce qu'elle parle de Dieu dans la vie. Et pour être Dieu dans la vie, pour nous, ça mal on connaît que le parle. Gagner au débat, il gagné avec le pasteur des jeunes, je dirais le Boston. Et puis, comme il dit, ça peut être qu'on va le texte qui dit non, ne pas le verset de la Bible qui dit, pour ne pas faire tatouage sous peau. Et puis nous avons analysé le texte, que nous avons dit que esprit dans ce métier, qui était pour One Watch, qui a marqué col, qui a marqué col, qui a marqué col. Mais son texte qui est implicite, il n'est pas explicite, il n'est pas dit tatouage, mais il dit pour le qui a marqué col, pour que les mauvais esprits sur lui. Maintenant, nous avons fait débat, nous avons dit, nous avons dit, et ça qui nous a parlé de la Timonio. Gombay, quand nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, la Bible qui dit, ça va bon ou bien ça va bon. Mais depuis mon Dieu, en nous, ou comme si moi,
Ça, c'est quand l'Esprit de Dieu habitait au monde, ou bien bagaille ça. Donc, premier bagaille là, nous disons une connaissance effuse des commandements de Dieu. Monde qui a servi de Dieu, les qui a prêché n'importe quoi parce qu'il avait senti, il a bagaille dans les qui a détecté lui qui s'abonne et qui s'abonne. Ça veut dire que nous avons le travail. Quelqu'un va faire le travail là, et puis il dit mon Dieu, il dit ça et pas ça fait pas. Parce que ça, mon Dieu, pas pour la même. Qui veut être malheureux, qui veut être malheureux, mais maintenant, ouais, nous venons pour maritime et. Papa, connaissance infuse des commandements divins. Deuxième bagaille, deuxième conséquence de la présence de Dieu en nous, Dieu nous donne un pouvoir pour chasser les mauvais esprits. Des moments que mon Dieu nous lit, Satan, pas qu'en. Et le continent où, comme on est déjà, vous voyez le enfer pour le temps et pour l'éternité. Deuxième principe, et la théologie catholique explique ça bien. Il dit souvent à nous, Satan a pile en nous toujours parce que bon Dieu, pourquoi non? Et bon Dieu, non, vous-même, vous recevez une puissance pour chasser les mauvais esprits. Qu'est-ce qui explique à faire malade et ça fait aux chrétiens qu'à imposer pour nous. Ou imposer pour nous. Mais on prie avec pour chasser la vie de mauvais. Parce que les esprits divinis sont maladies par nous. Ou quand on tout le monde qui est malade, on met le grain. Grain, il va jamais gagner parce que maladie est là. Il va aller dans la maladie pour comprimer. Il y a des gens qui ont fait suivre le traitement. Ils disent, mais est-elle qui a une maladie? Il fait des traitements, il va guérir, il ne va pas guérir. Parce que il y a des maladies, il c'est pas, il va mourir. Tel médicament a béni. Parce que l'origine maladie, c'est pour l'origine naturelle. Si l'origine naturelle, là, pour le médicament l'a guéri, et si l'origine est surnaturelle, c'est par la prière pour invoquer bon Dieu à travers ses serviteurs qui peut chasser sa femme en elle-même. Et avec sa façon, elle va comme ça. En vous dormir en soi, on prier pour demander bon Dieu pour le faire, puissance ça manifester présence dans vous-même. Et ça fait que des gens qui peuvent dormir, qui disent ça, ou être visité de demi, ou être visité de demi, ou être visité de demi, ou être couru derrière, ou être visité de demi, demi, même tout ça, et parce que la puissance de Dieu pour manifester le processus dans vous-même, il faut que ça arrive. Les gens qui arrivent dans vous-même, tout le monde, c'est pour camper, pour commander, pour vous espérer, pour vous garder un tel, pour chasser, et pour voyager dans l'enfer pour le temps et pour l'éternité. Puis, bon Dieu, pour autorité, sous diable, sous puissance mauvaise, parce que l'Esprit de Dieu n'a rien habité. Et ça fait, on monte à ce niveau-là, parce qu'il faut un maçon d'ange pour les protections. Moi, je vais faire un diable pour les protections. Mais pour c'est bon Dieu à servir, puissance bon Dieu à l'autre, dans le même déjà, c'est bon Dieu à commander pour faire pour chasser le nom de Jésus. Troisième conséquence de la présence de Dieu en nous, ça nous dit l'adoption de Dieu le Père. L'adoption de Dieu le Père, vous l'avez dit, nous ne sommes plus des serviteurs de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Vous voyez, je ne suis pas serviteur, mon Dieu, moi c'est petit mon Dieu. Et quoi qu'on compte différence entre employé avec médecin. Vous voyez, c'est vrai, employé avec le travail, il va me demander, il est en dehors, ok. Mais vous avez dit papa, vous avez dit que 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 vous avez que la vie va passer dans le pied de Dieu dans le ministère de comme vous dites, c'est pour Dieu que m'a touché pour faire travailler ça. Je fais parce que je me bon Dieu et me senti content. Je connais. Je vais vous pitié sur la gueule pour ne pas appeler l'éternel des armées. Amen. Je dois soyez fait cœur content parce que c'est pitié pour Dieu. Dis-moi que je ne vais pas vous pitié sur la gueule. C'est pitié pour Dieu. S'il va être tel la baou, il guérit tel la guérit. Il sauve tel la sauve. Et en tant que pape,
Mais je suis content que nous connaissons son petit bon Dieu. Et là, je découvre que petit bon Dieu a de l'aide dedans. Parce que moi, je parle de la Bible, de l'histoire, je dis qu'on a bon message. Tout le monde a bon message. Même avec le message, même avec le message. Même avec les informations qu'on s'est passé, nous parlons de bon Dieu pour nous. Les bons Dieu peuvent dévoiler tout là, mais il ne faut pas parler avec toi parce qu'il n'y a pas au sein, donc c'est petit bébé. Bon, les petits font discussion au sein, il dit comme ça. Je vais faire un bon message pour là. Et le petit bébé, il dit au verset, il dit quoi, papa, il dit tout, il dit stop. Là, il dit papa, on ne peut pas dire papa, nous, on dit papa. Et le papa Paul, il me semble pour lui. Et moi, il me semble pour lui. Comprenez? Parce que moi-même, bah, c'est bon, tu dois y aller, c'est bon, je l'en ai pour lui. Ils sont petits. Et papa, il me dit, moi, il me semble pour lui. Dis non, parce que tu vas retourner dans le milieu, retourner dans la vie, il me permet à moi, tout ça, c'est petit, mon Dieu. Si mon Dieu va vous dire, la marche, la vie, il va y aller. Bah, il va arrêter, il va arrêter. C'est pas toi le monde qui va passer la carrière, mais c'est petit de bien tout. C'est pas pour les mêmes, pas pour les mêmes. Et me donne mon propos dans ce là. Et que c'est pas toi qui va monter, c'est pas. Et bah, arrête de monter, c'est petit de monter. Et je mon Dieu, gagne le coffre folle, et bénédiction, à profusion, la baille la baille. Et ça fait un vrai petit de monter, mais j'abuse pas faire mon nom. Mon Dieu, béni éternel, la béni parce que c'est petit de monter. Et ça fait pas la route, pas la valeur de mon papa. On va parler de mon boss, de mon patron. Il va être capable de travailler, il va retourner là. C'est petit pour Dieu. Même dans son cœur, on a fait besoin de dire, je suis un enfant de Dieu. Encore, je suis un enfant de Dieu. C'est pas comme un bonhomme qu'on a la parole. C'est-à-dire, l'on croise à un monde qui est en difficulté, qui a des problèmes, on peut même enregistrer qui sont guéris, dit non. Pendant qu'on a expliqué, bon Dieu, tout maintenant, qui ça pour dire, pour réconforter le monde. Ça s'appelle la connaissance de la parole de Dieu. Ou une bonne de la parole extraordinaire. Depuis que Dieu a habité dans le monde, quel que soit, face à la parole, la joie, ça veut dire là, si vous manquez courage pour lui donner force dans le monde. Car la présence de Dieu en son enfant lui donne cette connaissance de la parole. Il y a des gens qui pensent que c'est étude pour le faire, pour le faire. Il y a des gens qui pensent que c'est une théologie pour le faire. Il va avouer. Vous pouvez être docteur en théologie. Et puis, vous parlez de présence de Dieu, pas capable de réconforter personne. D'ailleurs, on fait expérience de la guerre, qui dit d'aller très loin vers la connaissance. Et connaissance livresse, connaissance universitaire. Et puis, vous expliquez pour nous, vous ne découvrez pas plus mal. Et qui dit pour lui-même, vous avez un don pour blesser le monde. Et souvent, vous faites expérience à monde qui veut blesser le monde, vous vous calmez la vie. Vous avez des gens qui ont besoin de l'homme filé. La tonne qui est pour jouer nous, pour qu'on ait deux, trois paroles qui nous blessent, qui nous blessent. Même tout le monde. Pendant que l'homme t'a blessé, l'éternel est tout, la mettons l'homme qui est pour l'homme qui nous guérit cœur. Et ça, c'est pas que je me décourage sur ce chemin ciel-là. Dieu, en nous, nous donne la connaissance de la parole qui réconforte, de la parole qui guérit, de la parole qui transforme. On est de mon côté, on va avec qui vous pouvez faire ce côté, c'est pour descendre. Son service est bon Dieu, vous avez vu. Les bons joueurs, les bons joueurs ne parlent pas la voix, vous montrez, mais qui vous pouvez. Vous ne passez pas petit clé, vous ne parlez pas la voix. Et ceci, j'en dis là, c'est pas une affaire de classe, c'est pas une affaire de grandes études, non. C'est une affaire de présence de Dieu chez eux. Et bon Dieu, dans mon monde, il va vous donner une connaissance de la parole. Cinquième et dernier point. Quand Dieu en nous, l'idée c'est qu'il y a quoi qu'il produit, et pour moi-même, je pense que c'est ça qui est extraordinaire. Tenez bien, il nous donne le don du Saint-Esprit
qui réjouit, je vous crois. Il donne le Saint-Esprit qui réjouit. En d'autres termes, c'est des pièces en tout cas. L'œuvre de Dieu dans tout le monde. On va vous avoir dans cet hôpital-là pour bouddhistes là. On va vous ouvrir une musique pour que tout le monde, comme si vous avez été entertain. Ou alors l'Esprit de Dieu, non, ou vous pouvez vous faire déballer le monde au côté de Dieu. Regardez, vous êtes entertain, vous divertis, vous êtes oublié, vous êtes mal à l'aise. Même musique, maintenant, vous pouvez faire des danser. Parce que, regardez, danse pas dans la roue déjà, chante à la roue déjà, quand on est dans la roue déjà, parce que bon Dieu, non, mais. Le monde qui est dressé, on peut parler de Dieu. De vous dire, mon Dieu, divertissement, non, mais. Parce que les gens cherchent des distractions, tout le monde a des distractions déjà. Dieu en nous, c'est le Saint-Esprit qui réjouit. Il n'y a pas de problème, pas de problème. Mais quelqu'un a un problème qui est arrivé là. Quelqu'un a un problème qui est arrivé là. Il n'y a pas de problème qui est arrivé là. Mais quand on arrive là, il barre la réjouissance, il barre la joie intérieure qui fait que le pas de dépenser ton mot. Il barre la dessiner. Et c'est ce don de l'Esprit qui réjouit que Dieu donne en dernier lieu. Alors, à ce moment-là, vous avez besoin, pour comprendre une partie ça, qui est le Saint, vous avez besoin de faire expérimenter cet Esprit de Dieu dans le corps, dans la chair, dans tout le monde. Ne pourrais-je pas vous expliquer, mais pas qu'à forcer pour produire dans le monde. C'est vous-même qui pouvez vous cœur. Qui pourra agir fort pour faire expérience là, au même. Alors, à soi, la belle soirée, priez ça. Si quelqu'un dit que vous avez jamais expérimenté l'Esprit, mon Dieu, je vais demander mon Dieu pour le toucher à soi. Pour qu'il comprenne ça, pour parler à là. Parce que ça me dit à là, par contre, dans sa expérience là, il y a tout le monde. L'homme de mon Dieu habite nous. L'homme de mon Dieu présent dans tout le monde. On dit mes amis. Ça fait adapter à pas comme sur un rien. Il faut ça pour jouer. Amen. Gain au frère, c'est pas mal à l'issue qui fait l'église de ça. Ça me donne un bon Dieu. Ça me donne un bon Dieu. Mes amis, vous ne pouvez pas parler. Ça me donne un bon Dieu. Comme si, il faut comprendre comme si, vous gagnez mon Dieu, vous jouez. Comme si, ma pensée est là pour ça. Et puis, gagnez, c'est gagné, gagné, c'est si. Bon Dieu, non mais dit, gardez-moi, qui je vous condamne, pas comprendre. Ma fille, mon témoignage m'a été passé en aide. C'est un professeur dans l'école, dans Boston University, qui t'a fait pour nous conduire la prédication qui t'a expliqué ça. Et puis il dit comme ça. Il y a un aide. Et puis il est arrivé. Il a gagné un monde qui est malade. Vous connaissez, 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 quand il y a la professeur nous est dans l'école là, comme l'idée là, il y a un mot américain là, il y a un mot qui fait qu'il comprenne, il dit, bah, il y a un mot, monsieur, comme c'est qu'à faire prier. Et monsieur dit comme ça, bon, il dit là, prier, il dit là, changé. Au bout du compte, il dit là, mourir. Amen. Puis monsieur dit comme ça, il dit là, fait ça, mourir. Il dit là, crier, l'église là, crier, il dit, bon Dieu, puis ça, on fait ça. Parce que les États-Unis, quand vous pouvez vous faire un bon Dieu là, qui j'en pense au Dieu qui est grand, vous êtes restauré le ministère de paysan. Parce qu'on t'a guéri les petits poules malades, pas faveur, sans que ce bon Dieu qui est puissant. Je dis relé. Et puis après, le thème, petit là. Yo, c'est pour que j'ai le péché. C'est le séminaire. Il était là, il était là. Puis deux jours après, qui est-ce qui va parler? Au grand,
un droit qui vient dans le bon monde qui est dans le fond la carrière. Et puis qui vient dire que ça, tu as pu prier pour nous. Nous avons commencé à quitter un droit, nous avons venu, nous avons fait nous chrétiens. On est là, il dit, il est petit là, il pas parlé. Petit là, oui. Je te dis, on est fini. Mais non, il y a tout le monde qui était dans mon fort, qui a pris l'esprit, mais il est venu. Je vais prier pour eux, il a fait un chrétien, il a pris baptisé. Je dis, bon, il a profité baptisé, mais il n'est pas comprendre. Il dit, il a mangé. Et puis il dit, l'air, pour un grand, on est un grand, c'est un grand qui a fini pour baptiser en premier. Et puis il dit, il pas à qui bon. Il dit, mais finalement, dis-nous, ne te plais pas là, dis pour qui ça? Vous voulez baptiser? Parce que c'est pour nous de mourir. Nous-mêmes nous sentis. Mais moi-même nous sentis. Je suis incapable. Et puis quand on vit, nous-mêmes, pour nous venir, vous grandissez comme ça. Mon ami, tout le monde est pour mourir de Dieu. Nous ne parlons pas de convertir là parce que nous mourons. Puis c'est l'amour. Puis quand même, c'est nous qui mourons. Il dit que l'amour est pour moi, pour moi, pour moi, c'est dans le cas où nous mourons. Nous venons de convertir. C'est la regarde qui vient nous chanter en demande. Nous, en demande, on a poussé des chants de joie, des chants de louange. Nous avons pas bon Dieu gloire. Nous disons, ah, si même le mot, pas mettre ton désespoir dans le monde, ça veut dire que nous allons mettre ça dans le monde, pas nous là-dedans. Amen. Quand on compte au niveau de mon Dieu, même le mot, il est frappé pour moi, il n'est pas d'étonnement. Parce que c'est pour gratis. Que Dieu vous bénisse, que tu Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Belle force, belle amour, belle gloire. Comme le Dieu. Belle force, belle amour, belle gloire. Thank you.